de marché action trackers actions françaises européennes, américaines. nous sommes le mardi 14 septembre il est 10h 34 veuillez m'excuser pour ce léger retard à cause de euh euh, mes grands talents en informatique, ça fait des années maintenant que j'utilise ce logiciel et j'ai encore du mal des fois à voir qu'il faut que j'appuie sur un simple bouton. Donc j'appuie un petit peu partout, euh, sauf sur le bon bouton. Donc j'ai fini par trouver le bon bouton et finalement ça va mieux. Eh bien, si vous venez pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes une ou un habitué, je vous en remercie très, 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 très vivement de l'honneur que vous me faites de m'écouter en direct tous les mardis. Et les lundis pour l'autre revue de marché consacrée au forex. Sachez pour les nouveaux que vous avez ici un avertissement sur les risques que vous pouvez ou vous devez lire, c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous invite à le faire. Euh, ces revues de marché n'ont pas pour vocation à donner des conseils en investissement ni à partager des signaux. Je dis ce que je vois avec l'Ishimoku et cela n'engage que moi. En aucun cas, il s'agit d'un conseil en investissement et ce ne sont pas non plus des revues de marché consacrées. À l'apprentissage de l'Ishimoku. Soit vous savez déjà vous en servir, soit vous utilisez le site avec toutes les ressources gratuites. Pour les personnes qui veulent avancer, je vous invite à consulter le blog il y a des centaines d'articles d'analyse, le forum, bien évidemment, et sur ma chaîne YouTube. Ici, en cliquant sur vidéo tout là-haut, vous, vous trouverez aussi de quoi satisfaire nombre de vos besoins pour apprendre à utiliser l'Ishimoku. Et bien évidemment, je ne dis pas tout, puisque je commercialise aussi des formations très complètes sur l'Ishimoku et les chandeliers japonais que vous pouvez acquérir directement sur mon site ou désormais en cliquant ici via votre compte CPF. Vous avez un petit onglet avec le logiciel GoToWebinar qui s'appelle Questions, dans lequel vous pouvez faire des commentaires, poser vos questions. Et donc, je lis les premiers commentaires qui sont souvent des bonjour. Ça me fait très plaisir avant de commencer. Et c'est parti pour cette nouvelle revue de marché. J'ai mis beaucoup de temps à la préparer ce matin, plus de deux heures. Alors, on va voir si ça a été utile ou pas. Euh, J'avais un peu de temps devant moi, donc j'en ai profité pour bien, bien la préparer en détail. Et J'ai trouvé tellement de choses à montrer et à dire que pour le coup, Exceptionnellement, euh, je vous l'avais dit, que je ne pourrais plus forcément, pas exceptionnellement, mais je ne pourrais plus forcément répondre à vos demandes d'analyse que vous m'avez envoyées par email, et ça va être le cas aujourd'hui. Je ne pourrais pas le faire puisque euh, mon but était de trouver des choses dans le cadre d'un stock picking. Donc, nous allons voir ça euh, de suite. Bonjour Didier, bonjour Rémi depuis euh, la Tunisie ensoleillée. Bonjour Do Dominique, tu me dis le luxe fait mal ce matin. Tu en parleras peut-être. J'avais pas prévu de le faire, mais on pourra éventuellement regarder. Bonjour Guy, euh, les Guy, parce que vous êtes plusieurs Guy. Bonjour euh, Béatrice. Bonjour Hélène. Bonjour depuis la Réunion, Christian. Bonjour Sabrina, euh, Olivier, Simon, Didier, Joe, euh, Dominique, euh, Christian, Ludovic, Roberto, euh, Christophe, euh, William. J'espère que j'oublie personne. Euh, René, bonjour aussi, content de te retrouver aussi après ces semaines de vacances. Euh, alors, ne pas oublier les cryptos, mais aujourd'hui, il n'y a pas de crypto et Nice et les actions. Bonjour Simon, bonjour Anthony, bonjour Hector depuis la Suisse et bonjour Dani et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Alors, c'est parti, voyons voir les graphiques. Alors, je vais vous dire ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Je vais faire un retour rapide sur les. Les actions euh, qui avaient ma préférence pour éventuellement entrer en position, pour préparer des plans de trading ou d'investissement dont j'ai parlé la semaine dernière. Ensuite, je vais vous parler de nouvelles actions dont j'ai repéré peut-être des opportunités. Puis ensuite, je vais vous montrer euh, ce que mes proscreeners Ishimoku, qui sont vraiment euh, formidables, que je ne montre pas suffisamment, notamment celui sur la Kijun et Chandelier Weekly. Euh, à détecter euh, à la fois sur les marchés français, européens et euh, américains. Donc, euh, je vais commencer par un petit point rapide fondamental parce que ça, vous n'avez pas besoin de moi pour les fondamentaux. Il suffit que vous cherchiez sur les sites prévus à cet effet, que vous vous abonniez à un bon journal qui, avec un accès à Internet, et vous aurez euh, un résumé sur ce qu'il convient de savoir. On attend aujourd'hui de voir les statistiques sur l'inflation américaine. C'est extrêmement important parce qu'avec le NFP de la, du mois dernier et les statistiques américaines, vous savez qu'il y a un fort débat, une forte effervescence, pour ne pas dire une certaine tension, sur inflation ou pas inflation, inflation euh, euh, contrôlée ou. Euh, vous savez que l'inflation, on peut rapidement perdre le contrôle en matière d'inflation et cela a une influence fondamentale sur les politiques monétaires et notamment sur le fameux tapering. Euh, C'est-à-dire que la Fed, la, la BCE, a commencé à en parler même si elle a converti le mot en autre chose. Euh, mais c'est surtout la Fed qu'on attend. Est-ce que euh, lors de sa réunion de septembre, de fin septembre, elle va annoncer? Un début de ralentissement des achats, des rachats sur les marchés. À quel niveau est-ce que cela peut éventuellement, même s'il y a trop d'inflation, accélérer la, euh, comment dire, la politique sur les taux Bon, voilà, il y a une effervescence sur le marché à ce niveau-là et ce n'est pas rien. Donc, euh, il est très, très, très important que je commence par cela pour vous dire aussi que dans ce contexte, si on regarde, par exemple, je prends quelques instants pour vous montrer cela. C'est quand même important de démarrer là-dessus. Si on démarre par le S&P 500, on en parlait hier lors de la revue de marché, on peut s'apercevoir sur un graphique hebdomadaire, on va même s'amuser à mettre un graphique mensuel, que nous avons une tendance verticale avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin dire une année de hausse quasi permanente de façon pratiquement verticale. C'est euh, du jamais vu. Enfin, on avait eu une période ici, mais c'est du presque jamais vu. En tout cas, à ce point-là, c'est du jamais vu euh, depuis, depuis toujours, on va dire. En tout cas, depuis que je regarde des graphiques boursiers. Euh, c'est quand même surtendu. Le surachat est extrême. Les prix sont très, très éloignés de la Tenkansen. La Tenkansen est très éloignée de la Kijunsen à un tel point que c'est aussi du rarement vu avec des oscillateurs quel que soit l'oscillateur que vous utilisez qui campent en surachat de façon permanente donc si euh, il y avait une ça peut aller très vite hein, en matière de bourse vous savez qu'il y a un aspect psychologique primordial euh, si à un moment donné tout le monde commence à, à arrêter de tirer sur l'élastique il peut revenir très très vite et ça pourrait faire très très mal, ne serait-ce que provisoirement, ce qui nous permettra, si on n'est pas trop investi, de faire des achats à bon compte. Donc attention, attention, attention. Tout ce que je vais dire maintenant, je répète encore une fois que je ne donne pas de signaux, que je ne donne pas de conseils en investissement. Mais malgré tout, je répète que tout ce que je vais dire maintenant est conditionné quand même à ces chiffres de l'inflation, à la politique monétaire de la Fed et à un éventuel, une éventuelle correction qui, à un moment ou à un autre, même si ça fait déjà deux ou trois mois que j'en parle et que ça n'intervient pas, risque d'être forte, puissante et douloureuse pour certains. Maintenant que l'on a dit cela, on va revenir sur les actions. Donc, la semaine dernière, je vous parlais de Safran. Je vous disais euh, la semaine dernière que Safran m'apparaissait comme tout à fait intéressant. Alors, évidemment, euh, si on a peur d'un espèce de mini crack ou si on a peur d'une correction massive et brutale. Euh, il faut peut-être s'abstenir de faire quoi que ce soit et attendre cette correction massive et brutale. Maintenant que j'ai dit ça, je ne vais, vais pas le dire pour chaque action. Je l'ai dit une fois, je ne le redirai plus. Je disais euh, la semaine dernière sur Safran que Safran était, j'avais déjà parlé des fondamentaux en ce qui concerne Safran, donc je ne vais pas recommencer. Une magnifique tendance haussière avant la crise du Covid. Et puis patatras, la crise du Covid, forcément, secteur aéronautique. Euh, donc beaucoup de difficultés à s'en remettre, mais je considère que si les choses devaient s'améliorer euh, sur le plan du Covid, euh, Safran est un joli titre à éventuellement mettre dans son portefeuille. Et euh, ça aussi, je ne le redirai plus sur les autres actions, puisque vous connaissez cela par cœur si vous me suivez tous les mardis. Nous avons ici le point haut du Covid, le point bas, la SSB ici en plein milieu qui vient euh, fixer le point d'équilibre. Le point médian, on va dire, entre le point haut et le point bas, avant et après Covid. Et il est extrêmement important, à mon sens, si on cherche à faire du stock picking, à mettre du, des actions intéressantes dans un portefeuille. Encore une fois, il faut tenir compte des fondamentaux actuels. Je ne vais pas le redire, mais je le redis quand même. On ne pourra pas dire que je n'ai pas prévenu, puisque les retardataires qui n'auront pas entendu, ben écoutez, tant pis. Euh, je pense qu'il est absolument nécessaire d'acheter des actions, soit, qui ont dépassé, qui aient dépassé ce point médian. Vous voyez, on a cassé ici le point médian entre le haut et le bas du Covid. On se replie dessus. Puis de, de, depuis, on fait une sorte de range. Je pourrais dessiner un rectangle comme ça, mais toujours au-dessus de ce point médian, c'est extrêmement important. Ou bien, euh, mais en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas attiré et les actions qui n'ont pas encore réussi à casser ce point médian depuis la crise du Covid ne m'inspirent absolument pas confiance et ne m'intéressent pas. D'un autre côté, vous avez vu, j'ai commencé par le SP500. Cela veut dire que, et c'est pareil sur le CAC, sur le DAX, etc., etc., Cela veut dire que les titres ont augmenté, non seulement pour la plus, beaucoup d'entre eux ont, ont repris toute la baisse du Covid, mais l'ont dépassé. Et si on parlait tout à l'heure du secteur du luxe, il n'y a rien d'étonnant, une correction sur le secteur du luxe, même s'il y a déjà eu une première correction, il faut absolument Faire attention à ne pas acheter des titres qui soient surévalués trop trop haut. Si on achète des titres qui sont trop trop haut, on court le risque de subir une correction, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que dans la situation actuelle qui n'est plus si simple, ça a été très facile l'investissement en bourse depuis le Covid, ça l'est moins dernièrement, il faut chercher soit des actions qui sont au-dessus de cette zone d'équilibre, soit des actions qui sont très hautes mais qui ont... Ou qui vont corriger. Sinon, on prend des risques de de, de, de perdre quelques pourcents, voire 15, 10 en cas de correction. Voilà. Euh, et Safran fait partie de ces titres donc qui ont dépassé cette zone d'équilibre et qui sont actuellement en train de se replier sur cette fameuse zone d'équilibre qu'on peut situer un peu plus basse ici. Donc ici nous avons, je ne vais pas tracer une droite puisque vous savez, je pars du principe que vous savez utiliser Ichimoku. On a la Kijun Sen ici, la SSB. Euh, on trace une droite en extension de ces deux lignes, et ça nous donne un niveau de support. Nous avons ici un superbe doji, j'en parlais la semaine dernière, mais le doji n'avait pas encore eu lieu. Ça, c'est un doji qui a eu lieu entre mardi dernier et aujourd'hui, c'est-à-dire en clôture hebdomadaire. Nous avons ici un bon doji. été sympathique qu'on ait en fin de semaine ici un autre chandelier qui confirme ce doji, par exemple avec une étoile du matin, sur un niveau de support intéressant. Pour qui fait du swing trading il y a possibilité de mettre un stop sous la zone d'équilibre parce que si on repasse en clôture sous la zone d'équilibre, bah il, il faut sortir. Hein, Ce n'est pas bon du tout. Euh, et puis, pour qui fait de l'investissement, je pense que c'est un, un bon timing pour investir sur Safran. Mais encore une fois, cela n'engage que moi. Moi, je vais le faire. Cela n'engage que moi. Je ne partage pas de conseils d'investissement ni de signaux. Si on bascule sur un graphique mensuel, il faut que j'aille plus vite parce que vu la quantité d'actions que j'ai à vous montrer, si je passe une demi-heure par action, ça ne va pas le faire. Si on bascule sur un graphique mensuel, c'est encore plus explicite. On a ici notre Kijun Sen avec la, la fameuse zone d'équilibre entre ce point bas et ce point haut. Donc, si on doit investir sur Safran, selon moi, et qu'on y croit d'un point de vue fondamental, parce que faut-il encore y croire, on n'est pas obligé d'y croire, d'un point de vue fondamental, c'est le bon moment pour investir et tenir cette position pendant quelques mois, voire quelques années. Et en swing trading, avec un stop, par exemple, au niveau des 97, et puis on va chercher éventuellement les 122, voire. Euh, pas si on a le ratio de 1 pour 2, les 115. Donc, ça, c'est euh, un, une action dont je parlais euh, mardi dernier. Selon moi, le timing est bon. Alstom, qui est sorti du CAC 40, qui prend déculotté sur déculotté. Peu importe, ce que je voulais vous montrer, c'est que mardi dernier, euh, bien sûr, nous n'y on, on étions pas. C'est plus facile que de dire nous n'y étions pas. <laughs> Autant, dire, on n'y était pas. Euh, beaucoup plus facile l'articulation. La semaine dernière, nous étions ici et certaines personnes me demandaient l'opportunité d'acheter Alstom. Je dis ben, certainement pas avant d'arriver sur la borne basse de cette dérive latérale, le twist ici. Conséquence, blablabla, on ne va pas recommencer. Conséquence de l'affaiblissement de, de, de la tendance. Point haut, point bas. Deuxième point de contact. Si on croit fondamentalement que Alstom peut se reprendre, nous avons ici un niveau qui est tout à fait intéressant. Ça serait bien d'attendre, il aurait été intéressant d'avoir un joli ressaut, hein, vous savez ce que c'est qu'un ressaut si vous avez fait mes formations, Peut-être que euh, le titre ne va pas offrir de ressaut. Il y en a un micro ressaut. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un minima, un chandelier de retournement. On ne peut pas parler pour le moment d'un chandelier de retournement. Donc, on peut être patient, mais on est sur un niveau de support tout à fait intéressant pour acheter Alstom. Moi, personnellement, Alstom ne m'intéresse pas. Nous avons ici euh, ce support qui est aussi un support des prix, comme on peut le voir si on aligne une droite sur ces niveaux. En tout cas, le niveau dont je parlais euh, la semaine dernière a été atteint. On parlait aussi de Worldline. World Line. Alors, il y a de la spéculation sur Worldline parce qu'ils doivent vendre euh, leur secteurs euh, terminaux de paiement et cela pourrait faire remonter le titre. Je vous laisse aller voir ça sur les journaux spécialisés. Donc, en graphique mensuel, la TenCan a été cassée. On se replie. Ça reste un titre qui est parfaitement bien haussier. Moi, je crains malgré tout que Worldline fasse partie des titres qui souffrent en cas de correction majeure sur les marchés. Et selon moi, même si on est sur un niveau de support, on a cassé un premier niveau de support ici à 71.45, je pense qu'on va aller chercher ce deuxième niveau de support au niveau des 68.60, voire le bas des mèches qui se trouve ici à 68, on va dire. Ce niveau de support pourrait commencer à devenir intéressant pour se pencher sur le titre et puis pour profiter euh, du trou d'air pour se replacer. Mais personnellement, euh, je préférerais pas trop spéculer sur la vente euh, du secteur euh, terminaux de paiement et attendre un repli plus profond sur la ligne de tendance chartiste, voire sur la Kijunsen mensuelle. Néanmoins, on n'est pas loin, euh, on est sur des niveaux de support. Vous voyez ce niveau de support dont je parlais tout à l'heure, les 69, c'est un, un niveau de support tout à fait intéressant euh, qui pourrait, euh, 69, euh, 66, euh, qui pourrait tout à fait servir de zone d'appui pour repartir à la hausse. Personnellement, ça ne m'intéresse pas encore. Je vais continuer à attendre et surveiller. On parlait aussi de Total la dernière, la dernière fois, Total Énergie Ah non, pas à Italie. Alors Total Total Énergie sur Euronext. Voilà, Total Énergie Euronext et la semaine dernière, je disais donc moi vous savez que j'ai acheté Total, je disais que Tant que les prix restent au-dessus de cette SSB, ça me plaît. C'est lent, c'est mou, c est, c est, c est pas, mais enfin, ça offre quand même de jolis euh, comment dirais-je, dividendes. C'est une, une, une action de rendement, donc c'est toujours intéressant. Et tant que ça reste au-dessus de cette SSB, euh, moi, je continue à être acheteur. Donc je suis acheteur, même, je dirais, jusqu'à. Tant qu'on ne repasse pas sous le point médian entre le point haut ici de 2018 et le point bas de 2020 ici, je reste acheteur ici au niveau des 36-36 sur l'action euh, totale. Donc j'ai acheté l'action totale, ça ne va pas très vite, mais je suis toujours dedans et je considère que nous avons toujours ici une zone d'achat possible. Attention, nous sommes pour du swing trading, ce n'est pas bon, on est sous résistance. Il faut attendre de casser la résistance ici, je parle d'investissement sur du long terme. Euh, Thales, je ne sais pas, je ne me souviens pas si je l'ai évoqué la semaine dernière, il me semble que oui, en tout cas je voulais le faire et je ne l'ai peut-être pas fait. Je disais que les analystes sur les journaux spécialisés nous parlent de Thales comme étant une action à acheter absolument. Pour X et Y raisons, je vous laisserai voir cela. Moi, je disais la semaine dernière que c'était pas ma tasse de thé parce qu'effectivement, on était bien sur une zone ici, un repli sur la Kijunsen sur un canal baissier ici, mais on ne pouvait pas ne pas tenir compte du canal baissier de très long terme, et comme on peut le voir avec ces chandeliers de retournement depuis plusieurs semaines maintenant, ça ne passe pas, donc il n'est pas pertinent selon moi, euh, même si on a ici un point moyen entre le plus haut, pareil, de 2018, et le plus bas de 2020, regardez, non seulement on n'arrive pas à casser ce point moyen, c'est absolument nécessaire que de le casser, et lorsque l'on l'aura cassé, l'avantage c'est qu'on aura aussi cassé la borne haute de ce canal baissier. Donc toujours à surveiller, mais pas d'achat pour moi euh, tant qu'on ne passe pas au-dessus euh, du niveau des 87. Je parlais d'Edenred. Donc, pour le moment, vous avez retenu euh, mes choix, c'est Safran Total. Je parlais d'EdenRed et que disais-je sur EdenRed Je ne sais plus ce que je disais sur EdenRed, mais euh, selon moi, le repli est insuffisant. C'est-à-dire que c'est tout à fait intéressant. Je pense que c'est une valeur qu'il sera pertinent parmi d'autres. Hein, il faut savoir faire des choix. Hein. On peut avoir dans son portefeuille, mais attention, regardez le canal chartiste les prix sont bien. En train de travailler le canal chartiste, en train de former des premiers chandeliers de retournement, mais on reste néanmoins sous la Kijun Sen. Et tant qu'on ne repasse pas sous la Kijun Sen et que la Chikuspad ne repasse pas au-dessus non plus du niveau des 47-45, je n'achète pas Eden Red. D'autant plus que si je bascule sur un graphique mensuel, je parle très fort, ça ne sert à rien et je vais avoir des problèmes de cordes vocales. « Ah, et je reprends ma respiration, ça fait du bien, respirons, restons zen. » Je suis tellement enthousiaste avec cette rue de marché que je m'emporte, je m'emporte, je m'emporte et je ne respire plus. Et à un moment donné, si je veux la finir, il faut que je puisse parler plus lentement et respirer. Ce n'est pas un cours de méditation, nous sommes toujours en train de parler d'investissement. Voilà, blague à part, nous sommes passés ici, encore une fois, on travaille la Tenkansen sur la borne basse de ce canal haussier, mais l'écart entre la Tenkansen et la Kijunsen me paraît tellement énorme que je me méfierais d'Edenred, je la garde en surveillance, mais ça ne m'intéresse toujours pas en matière de stock picking. Euh, J'en parlais pas la semaine dernière, mais je vais en parler aujourd'hui. Sanofi. Ça se trouve, je vais avoir le temps de répondre à quelques questions. Sanofi, alors très intéressant, Sanofi, parce que selon les analystes fondamentaux, euh, ils ont acheté une biotech américaine et ça n'a pas plu euh, aux investisseurs qui ne comprennent pas cet achat, etc. etc. mais selon les analystes fondamentaux aussi concernant Sanofi, euh, ce repli est exagéré, euh, injuste, etc. Sanofi est à un bon prix. Sanofi pourrait créer un vaccin. Euh, contre le Covid 1C4, mais heureusement, son activité ne s'arrête pas qu'aux vaccins. Ce n'est pas comme Valneva, par exemple, qui a une technologie proche de ce que font déjà les Chinois et on a vu que ça ne fonctionnait pas bien. Et je pense que ce n'est pas que les Anglais soient très méchants et veulent le remettre en question un contrat, c'est que probablement, ils ont des informations sur le fait que le vaccin de Valneva n'a peut-être pas un taux d'efficacité de, très élevé, comme c'est déjà le cas des vaccins chinois qui utilisent la même technologie Sinopharm mais je ne sais plus lequel. Sinovac. Sanofi euh, m'intéresse grandement à buter ici sur la résistance, sur son plus haut historique. Néanmoins, m'intéresse grandement un repli ici. Il s'attaque à la Tenkan Sen. Pour le moment, c'est prématuré selon moi. Un repli sur la Kijun Sen qui commence à s'entrelacer sur cette ligne de tendance pourrait tout à fait m'intéresser pour rentrer à long terme sur Sanofi. Pour ceux qui craignent un achat sur ces niveaux, on peut aussi attendre la cassure ici des plus hauts historiques et ensuite rentrer dessus après pullback. Donc je la mets en surveillance plus, plus, plus parce que ça peut aller très vite. Hein. Vous l'avez vu sur les titres que je vous ai montrés au début de la revue de marché. Un repli sur la Kijun Sen peut vite arriver et ça deviendrait très intéressant. Peugeot Invest, j'en parlais aussi euh, mardi dernier. Donc on revient dessus. La holding de la famille. Attente de repli ou cassure, ai-je noté voilà, Vous voyez, on en parlait la semaine dernière, sous résistance. Un repli ici sur cette ancienne résistance très très forte, très importante, des 109, 108, 110 dans cette marge-là, pourrait être tout à fait intéressant pour acheter Peugeot Invest. Mais pour le moment, on n'y est pas. Cela dit, ne pas y être aujourd'hui n'est pas un problème. C'est comme ça que ça fonctionne. On surveille, on fait des listes de surveillance et on entre quand c'est possible. Alors, BIC, on en parlait aussi la semaine dernière. Tous les analyses sont unanimes. Les, euh, les chiffres sont excellents, etc. etc., etc. Vous m'avez dit la semaine dernière que c'était une valeur qui était aussi tout à fait intéressante en cas d'inflation. Parce qu'avec capacité d'augmentation des prix, une bonne valeur en cas de retour de l'inflation. Donc, je note, je surveille. Je vois que le consensus est très élevé sur le fait qu'il faut acheter BIC. Euh, je comprends tout à fait cela, mais d'un point de vue technique, nous sommes typiquement dans le type d'action que je n'aime pas, mais alors que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire baissier depuis 2015, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ça baisse. Néanmoins, il faut reconnaître que depuis la, le début de l'année 2020, ça monte. Nous avons ici un point médian entre le point bas qui se trouve ici et la résistance des prix ici très importante qui a été atteinte récemment. Il faut absolument rester au-dessus de ce point médian. On a une cassure de ce canal historique, c'est indéniable. Donc d'un point de vue chartiste, c'est un signal d'achat. On casse... Les chartistes, là, pourraient tout à fait vous dire Bon, maintenant, je vais grossir pour vous montrer comme c'est intéressant et comme c'est intéressant d'être chartiste et à la fois savoir filtrer les signaux de chartistes avec Ishimoku. Les chartistes, là, on est typiquement dans, un, dans les bouquins de chartisme. Hein. On casse le canal, replie sur le canal, étoile du matin ici sur le canal, et a priori, ça devrait repasser à la hausse. Et là, ça euh, passe sur la euh, Kijun Sen. Mais nous, avec l'Ishimoku, nous savons que nous avons un outil absolument fantastique qui s'appelle la Chikuspan, qui est la mémoire des prix. Et la Chikuspan, nous savons que tout fait obstacle à la Chikuspan. Et là, vous voyez, comme la ligne de tendance du canal fait parfaitement obstacle à la Chikuspan. Donc, tant que Chikuspan, et non pas les prix, ne parvient pas à casser elle-même ce canal historique, je reste à l'écart de BIC. Cela dit, je surveille parce que cela pourrait arriver. Si on part sur un graphique mensuel, c'est tellement baissier que c'est normal que l'on retrouve des niveaux de résistance. Quand quelque chose est très, très baissier, avant de traverser le nuage ou les lignes du nuage, il faut longtemps. C'est juste normal. Donc, au-dessus des 62,20, nous avons aussi un signal d'achat. Shikuspan, ici, a quand même encore beaucoup d'obstacles. Nous avons la Kijun qui est ici. C'est quand même compliqué. Donc il est impératif pour envisager d'acheter BIC, si on achète BIC parce qu'on croit en BIC et on pense que fondamentalement les chiffres sont bons et que c'est effectivement une valeur qui pourrait euh, être utile dans notre portefeuille en cas euh, de, de perte de contrôle au niveau de l'inflation, alors il faut à minima attendre que la Chicouspan casse le canal baissier. Euh, J'en suis au zoom. Alors là, on passe directement, c'est un petit peu... Je ne fais pas par, par pays. Un hein, coup, je peux être en France, aller aux États-Unis, passer par la, la Hollande, revenir en Allemagne, et retourner en France. Donc, Zoom, je vous disais la semaine dernière que le titre était sur support, dessiner des chandeliers, un début de chandelier de retournement ici sur support, comme on avait pu le voir ici, mais que selon moi, le support qu'il fallait absolument surveiller et qui risquait d'attirer très très fort les prix était celui des 242,50 l'on peut retrouver ici. Donc, c'est prématuré pour moi et tant ça n'arrivera peut-être pas. Mais en tout cas, moi je n'achète pas ou je n'envisage pas d'acheter zoom sur ces niveaux. Mais si je devais le faire, ce dont je doute que je fasse, c'est sur les niveaux des 243 50. Pourquoi je doute Parce que l'analyse technique c'est une chose et puis après j'ai 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 comment dirais-je mes biais et mon biais un de mes biais de me dire que bon si euh, Zoom a très très bien fonctionné avec le télétravail, le confinement, etc. Mais bon, peut-être qu'on va en sortir et même si le télétravail demeure et même si Zoom reste tout à fait attractif parce qu'il y a des abonnements, faut voir, faut voir. Bon, bref, en tout cas, tant qu'on n'arrive pas sur ce niveau de support, je ne m'intéresse pas du tout à Zoom et je ne recommanderais pas de le faire si je donnais des conseils, mais comme je donne pas de conseils, cela n'a pas d'importance. Nous parlions aussi de l'excellent titre UNP. La semaine dernière, Union Pacific Corporation. Je vous ai déjà expliqué maintes fois pourquoi ce titre était tout à fait intéressant parce qu'il est un reflet euh, de, comment dire, de l'état de santé global économique à un instant T, puisque c'est un transporteur qui transporte euh, là où il y a le plus de, <coughs> de condensation humaine aux États-Unis, là où le business se fait majoritairement. Euh, les plus grandes marchandises. Donc euh, si on transporte beaucoup de marchandises, c'est que le business va bien. Si on en transporte moins, c'est que le business va moins bien. Et euh, la semaine dernière, euh, les prix travaillaient, ou il y a deux semaines, travaillaient la Kijunsen ici. Et j'avais dit par le passé qu'un repli sur la Kijunsen hebdomadaire pourrait tout à fait m'intéresser. Mais ça faisait plusieurs mois que je l'avais dit cela, et là, un repli sur la Kijun Sen hebdomadaire, je disais mardi dernier qu'il me semblait tout à fait peu probable que ça suffise, étant donné le graphique mensuel. Et si je bascule sur un graphique mensuel, ça vous fait penser à quoi Quand je disais que c'était le reflet de l'économie américaine, ça fait penser au graphique du SP500 qu'on a vu en introduction. Avec des prix qui campent en permanence, quel que soit l'oscillateur en zone de surachat. Moi, j'ai des stochastiques, mais on peut utiliser des MACD, un RSI ou je ne sais quoi. Et l'écart ici entre la Tenkan Sen et la Kijun Sen, qui englobe toute l'épaisseur du nuage futur, est juste hallucinante. Donc, c'est très risqué, surtout quand on a des tensions sur les marchés comme on les a en ce moment, et où à tout moment nous savons qu'il pourrait y avoir une correction forte, majeure et brutale. Et que les banques centrales et leur politique monétaire est tellement scrutée, et notamment aussi en ce qui concerne l'inflation, je pense que ce n'est pas le moment de prendre un risque sur UNP. Mais si ça, si ça dégage davantage, alors à un moment donné, oui, nous pourrons prendre le risque d'entrer sur UNP. Mais pour le moment, c'est prématuré selon moi. Je vous avais parlé aussi de l'ETF PMEH, que j'aime beaucoup parce qu'on nous parle de SCPI, on nous parle d'immobilier, faut-il acheter un appart, un truc, un machin, on nous parle d'immobilier coté, d'immobilier non coté, mais enfin, on a ici un très très bel ETF pour avoir de l'immobilier, j'en ai déjà parlé, qui contient de l'immobilier européen et pas que français, notamment beaucoup allemand, mais aussi beaucoup, euh, pas que commercial, hein. donc c'est là aussi où se porte l'intérêt de cet ETF. Donc, qui est en plein retracement ici avec cette, ce magnifique avalement en formation. Je dis en formation puisque nous ne sommes que le 14 du mois. Que j'ai eu longtemps, hein, vous savez que j'ai fait de superbes bénéfices. Ici, je vous parlais de la zone d'équilibre tout à l'heure. J'ai fait de très beaux bénéfices, un peu plus haut, euh, voilà, sur les, les replis précédents. Donc un repli de cette ETF sur la Kijunsen hebdomadaire ici m'intéresserait beaucoup au niveau des 16 pour pouvoir en remettre dans mon portefeuille et le garder pour une certaine période. Ça correspond à la Tenkan ici. Et même si l'écart ici entre la Tenkan et la Kijun demeure très, très important, nous savons mathématiquement que la Kijun va monter puisqu'on a cassé les plus hauts. Et euh, tant qu'on reste au-dessus de la zone d'équilibre, je suis tout à fait partant pour euh, éventuellement prendre le risque d'en mettre dans mon portefeuille sur le niveau des 16. Mais euh, ça, je le dis aujourd'hui, lorsque on sera arrivé sur ce seuil, j'observerai la réaction, l'action des prix, et notamment la formation de chandeliers japonais sur ce seuil, pour décider ou pas, ou en fonction de la conjoncture économique mondiale, des politiques monétaires, etc., je verrai, mais ça peut tout à fait m'intéresser, puisque euh, si c'est tout à fait intéressant que d'avoir de l'immobilier via cet ETF, selon moi. Euh... Alors, à suivre aussi un autre titre Pépère, hein, comme on dit, il y a des gens qui détestent ce titre parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est de la volatilité, ils veulent de la crypto, euh, entre guillemets. Donc, c'est sûr que si on a l'habitude de, de, de subir la volatilité de, des actions très volatiles, c'est le cas de le dire, on n'est pas très attiré par Air Liquide. Mais quand on veut garder un portefeuille sécurisé longtemps, avec une valeur sûre, qui résiste à toutes les crises, il suffit que je dise ça pour qu'un jour ça ne soit plus le cas, mais nous avons notre ami, j'aime bien l'appeler notre ami Air Liquide. Air Liquide qui a cassé des plus hauts, encore une fois, sur lesquels j'ai fait aussi de magnifiques bénéfices. En cas de repli de Air Liquide ici directement sur la Kijun-Sed hebdomadaire, nous avons ici un début de chandelier de retournement. Nous avons ici des chandeliers de retournement qui ne cessent de données de faux signaux, ou en tout cas qui ne confirment pas de retournement, une configuration en haute vague, de nouveau des chandeliers de retournement, mais la Tenkan Sen joue son rôle. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas trop éloignée, vu les circonstances exceptionnelles actuelles de la Kijun Sen. Tout ça est bien, euh, bien orienté. Un retour ici sur la Kijun Sen au niveau des 142 m'intéresserait beaucoup, et je suis presque sûr que je mettrai du air liquide dans mon portefeuille. Je ne devrais pas dire ça parce qu'en fonction de la cir des circonstances, je pourrais en décider autrement. Mais en conditions normales de marché, comme on dit dans le jargon, je mettrai de l'air liquide. Donc, je vais surveiller de près et j'espère vraiment un repli de air liquide sur la Kijun Sen. Et ce serait, selon moi, et je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux, je ne parle que pour moi, dommage que je n'en profite pas. Excusez-moi, je respire. Alors, air Liquid. Alors, une, un titre néerlandais dont j'ai parlé sur Twitter, que je suis souvent avec beaucoup de curiosité, c'est Basic Fit. Alors, je connais bien Basic Fit parce que c'est là où je suis inscrit pour aller faire mon sport hebdomadaire. C'est une salle de sport, euh, comment dirais-je, un, un groupe néerlandais qui a pratiquement racheté toutes les salles de fitness en France, en tout cas toutes celles des grands centres urbains et des zones commerciales importantes. Euh, et alors, ce titre m'impressionne, parce que quand je lis les fondamentaux sur les journaux spécialisés, ou si ou sur les, les analystes ne l'aiment pas, considèrent que ce n'est pas un bon titre, que ça, ça, mais cela dit, ça résiste à tout. Et, je, et donc, ça m'épate complètement parce que, euh, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays européens où ils sont présents, mais en tout cas en France, ils ont été fermés très longtemps. Alors en tant que pratiquant Basic Fit, j'ai une carte que je paye mensuellement. Ils ont été très intelligents et très malins, et comme les êtres humains, on est en général relativement gentils, ils ont profité de notre gentillesse. Pendant toute la période de fermeture des salles, etc., ils ont demandé aux gens s'ils acceptaient de continuer à payer leur abonnement en échange de je ne sais plus quoi, d'une serviette, d'une gourde ou de cadeaux futurs. C'était assez amusant. Ou bien en échange de gratuité pendant un mois ou deux pour des proches, comme ça, ce qui leur permet d'obtenir de nouveaux prospects. Euh... Alors peut-être que c'est parce que j'en ai les moyens, mais j'ai fait partie de ces gentilles personnes qui ont dit OK, continuez à me prélever. J'ai été gentil avec les actionnaires de Basic Fit. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils arrivent à supporter ils, ils restent en contact permanent via le mail et leur application avec leurs adhérents. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont supporté la crise euh, je ne sais pas, je, je n'en sais pas plus, mais en tout cas, regardez comme la Chicouspan surfe parfaitement bien sur le canal haussier. Et à chaque fois qu'on revient chercher le canal haussier ici sur la Quijune, ça repart à la hausse. Donc, c'est tout à fait intéressant d'observer cela. Maintenant, les salles réouvrent, alors elles ne réouvrent pas à plein. Moi, je me souviens, avant le Covid, il fallait bien choisir ses horaires pour ne pas être les uns sur les autres. On se croyait un peu dans un couloir de métro, parfois, ce n'était pas pratique. Il fallait faire la queue pour aller sur une machine ou comme ça. Bon, là, maintenant, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il n'y a eu plus qu'une machine sur deux qui fonctionne. Et il faut y aller avec passe sanitaire et uniquement sur rendez-vous. Donc, autant dire qu'ils n'ont pas énormément de monde. J'y suis retourné il n'y a pas longtemps. Ils n'ont pas énormément de monde. Mais pour, le, pour autant, ça continue de grimper. Et c'est juste fabuleux, je trouve. Donc, cela titille ma curiosité. Et donc, euh, titille mon désir de peut-être investir euh, sur ce titre. Voilà. À tort ou à raison, je vous explique. Euh, en tout cas, comment est-ce que je vois les choses D'un point de vue technique, c'est juste superbe. La tendance continue, elle est superbe. Il n'y a pas de surachat excessif. On est sous résistance ici. On se replie ici sur la Kijunsen. Donc, soit un achat de nouveau sur la Kijunsen qui là sur la ligne de tendance avec chandelier de retournement qu'on a vu avec cet avalement, soit directement à passer sur mensuel. En cas de cassure, bon, on est quand même très suracheté en mensuel. C'est ça qui est dingue que ce titre puisse s'être suracheté comme ça en mensuel, c'est dingue. Cela dit, ça fait quand même depuis mai 2021 qu'on ne casse pas la résistance ici. Donc la cassure de la résistance ici serait un signal majeur, selon moi, pour pouvoir envisager d'investir sur Basic Fit, si on souhaite, évidemment, investir sur Basic Fit. Albioma que j'ai en portefeuille, vous le savez, hein, j'ai acheté la Kijunsen mensuelle et j'en suis très content, même si après peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, j'en serai moins content. Pour le moment, je continue à être satisfait. Donc ça, c'est que j'ai française des jeux sur mon compte titre, c'est tout ce que j'ai sur mon compte titre et dans mon PEA, j'ai Albioma. J'ai pas grand-chose hein, depuis que j'avais tout vendu euh, au début de l'été. Albioma, les fondamentaux sont excellents, les analystes sont unanimes, le consensus euh, est total sur euh, la qualité d'Albioma. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet avalement aussi sur la Kijunsen mensuelle, cette étoile du matin. Je suis dans Albioma, je suis content d'y être, je compte y rester. Et selon moi, si je n'y étais pas, il y aurait encore matière à s'y intéresser. Voilà. Alors, parmi les nouvelles choses que je suis allé voir cette fois-ci, CNP Assurance, les assurances vie, blablabli, blablabla, blablabla. Donc je suis allé voir les fondamentaux, ils sont bons, euh, forte augmentation euh, de la part d'unités de compte, euh, pourcentage d'unités de compte sur les assurances vie et autres. Euh, tout à fait intéressant dans le sens où, si on prend l'historique à partir de 2012, hein, le titre est haussier depuis 2012, il prend comme d'autres sa claque avec le Covid. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà répété maintes fois, on va basculer sur une semaine. ça avait déjà commencé à baisser, Covid. On passe la zone d'équilibre Covid, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas recommencer. Les retardataires, vous, si vous n'avez pas compris cette notion, vous regarderez le début de l'émission euh, sur YouTube. Donc c'est tout à fait intéressant pour qui veut avoir un peu d'assurance dans son portefeuille, etc. Et un peu comme Safran tout à l'heure, que je montrais tout à l'heure. On n'est pas sur la zone d'équilibre, mais on est proche ici d'une zone de repli importante qui est cette SSB. Et donc, je pense que nous sommes sur un point, un point tout à fait intéressant pour éventuellement acheter à la fois en investissement de long terme, cela n'engage que moi, je ne donne pas de conseils d'investissement, je ne partage pas de signaux, et à la fois en swing trading. Mais alors à ce moment-là, en swing trading, il faut être plus précis sur le timing. Donc, il faudrait attendre qu'un chandelier vienne bien s'écraser sur cette SSB, si ça n'arrive pas, tant pis. Il faut savoir respecter des règles en matière de trading et ne pas avoir de regrets. Si on ne respecte pas de règles, de toute façon, on ne réussit pas. Et, et à vouloir respecter les règles, parfois le scénario qu'on a préparé ne se, ne se réalise jamais. Mais ça, c'est normal, il faut l'accepter. Et à ce moment-là, sur ces niveaux, acheter pour repartir chercher les derniers plus hauts sur les 15,58 en swing trading et en investissement, garder pour garder longtemps. Tant qu'on ne repasse pas sous les 11,90, autrement dit, la zone d'équilibre ici entre ce point bas de 2019, point haut, pardon, et ce point bas, je pense qu'il y a matière à y rester. Donc février 2021, paf, ça casse ici à un niveau majeur, on se replie dessus. Au niveau du timing, on a ici un joli point euh, d'entrée. En investissement de long terme, en swing trading, il faut attendre un peu plus bas. Euraseo. Les analystes sont unanimes, consensus. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis Euraséo, Puisque d'un seul coup... Ah oui, alors Euraséo très intéressant de constater. Veuillez m'excuser. Quelques instants. La graphique annuel. OK. Une semaine. OK. Paf, point haut ici. On va marquer juste. Les hautes coutures. Et comme par hasard, comme Ishimoku est parfaitement bien fait, si quelqu'un ne sait pas voir qu'il y a ici un point majeur à surveiller, Ishimoku le lui dit. Il lui dit, voilà, tu n'as pas besoin de regarder, de toute façon, je te mets la Tenkan ici. Et en général, si je mets la Tenkan ici, ce n'est pas pour rien. Vous voyez quelqu'un qui n'aurait pas dézoomé le graphique, qui n'aurait pas vu les... Et il se trouve que cette Tenkan ici, est un support important, puisque c'est un changement de polarité entre les plus hauts historiques qui faisaient résistance, qui ont été cassés. La semaine du 26 juillet ici et qui deviennent support maintenant. En sachant qu'on a la Kijun Sen juste en dessous. Donc tout repli sur la Kijun Sen ici serait idéal pour pouvoir envisager d'acheter Euradeo. En investissement de long terme, je pourrais comprendre qu'on l'achète directement sur la Tenkan Sen. Voilà. On peut aussi envisager un repli euh, sur le niveau des... Des 72, mais ça, ce n'est pas près d'arriver de là tout de suite, et puis ça peut aussi ne jamais arriver. Donc pour le moment, attention, au mensuel, on dessine un début de couverture en nuage noir sur ces plus hauts, à surveiller pour voir ce qui se passe dans cette zone, donc à mettre dans la, ligne de, dans la zone de surveillance. Rothschild. Et je change un petit peu d'action. Rothschild, très intéressant parce que dans une situation tout à fait similaire à celle que je viens de. Noté avec Euraseo. OK. Je reviens sur mon graphique hebdomadaire. Nous avons ici les plus hauts historiques. Donc on n'achète pas sous des plus hauts historiques, on est bien d'accord. Hein. On peut éventuellement prendre des bénéfices sous des plus hauts historiques. Mais en tout cas, on n'achète certainement pas sur des plus hauts historiques. Mais à mettre en liste de surveillance, parce qu'en cas de cassure de ces plus hauts historiques, pour investir, on peut y aller billet en tête, ou pour faire du swing trading ou du moyen terme, après repli, soit sur les lignes de l'Ishimoku, soit sur la zone de résistance ici. Tout à fait intéressant à mettre en surveillance en tant que choix de titre pour l'avenir. SPI. Alors, SPI, parce que j'en parlais mardi dernier, donc je reviens sur ce que je disais euh, mardi dernier. Ça, je le garde. Nous avons ici les plus hauts qui sont à 24 euros. 24 euros. Si je bascule sur un graphique mensuel, nous avons ici notre twist. Vous savez ce que cela veut dire. Vous voyez bien que là, les prix machin, On s'appuie ici sur la borne basse de ce probable range. On voit bien, vous savez, sur le fameux débat là, avec Madame Péloil, blablabli, blablabla. Bla bla. Moi, je dis que dès que le twist apparaît, on peut anticiper avant même qu'il y ait range, avant tout le monde, on peut battre le marché en sachant exactement où acheter alors que c'était en train de baisser. Et que, euh, en général, dans 70% du cas, cela présage d'un range à venir. Et comme vous pouvez le constater, les prix ne s'amusent pas à passer par le twist. Il... Traversent l'épaisseur du nuage, ils n'en ont rien à faire du twist ou du pas twist, de la même, la même chose avec Chipouzpan. Nous avons ici une nouvelle démonstration, mais de toute façon, je ne sais pas comment on ne peut pas ne pas le voir, je l'ai déjà dit, j'arrête de le lire. Donc, tout ça pour dire que la probabilité qu que les pr euh, pour les prix étant partie de ce point bas. Ayant dépassé la fameuse zone d'équilibre sur laquelle il y a combat, vous voyez bien le combat qu'il y a eu ici, puis paf, le combat est gagné par les acheteurs qui brisent la zone d'équilibre avec ce chandelier, ce marubosu, ce passant de ceinture, cet avalement. Euh, la probabilité, à partir du moment où ce phénomène se matérialise ici, et encore plus quand on passe au-dessus de la SSB ici, la probabilité pour que les prix ne s'arrêtent pas comme ça à mi-chemin, sauf s'il y a mini-crack ou. Ou correction massive, ça je parle en condition encore une fois normale de marché. La probabilité pour que les prix ne s'arrêtent pas sur ce chemin là et aille chercher les plus hauts historiques m'apparaît comme étant forte. Je n'ai pas de certitude que cela va arriver, puisqu'en trading nous n'avons pas de certitude, mais en tout cas nous pouvons établir des probabilités. Les prix stagnent dans une nouvelle dérive latérale matérialisée par ce rectangle jaune si on bascule sur des unités de temps inférieures, on va retrouver notre gentil twist. Avec nos gentils prix qui n'ont rien à faire de savoir s'ils passent par le twist ou pas par le twist ainsi que la span. ils vont juste d'une borne à l'autre, vous voyez Ce rectangle. Donc si je reviens maintenant sur mon graphique mensuel, je peux déterminer que Lorsque les prix seront sortis de cette dérive latérale, autrement dit de ce range, par le haut, s'ils si en sortent, la probabilité devient encore plus forte pour qu'ils aillent chercher les plus hauts ici. Donc je continue à surveiller ce titre parce que le jour où il cassera, s'il le fait, euh, les prix casseront s'ils le font, cette dérive latérale, ici autrement dit le niveau des 21,30, alors je pense que je pourrais entrer en position pour aller chercher. Les 24 en swing trading, les 23,84. Donc là, je ne parle plus d'investissement, mais bien de swing trading. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions et je passe à ce que m'ont détecté mes formidables proscreeners Ishimoku que j'offre avec mes formations, euh, avec mon pack de formation. Vous allez voir qu'ils ont détecté des choses très, très sympathiques. Ciao Roberto, ça roule et toi Ravi aussi d'être que tu sois là Olivier, d'être en ta présence. Bonjour Serge. Alors, bonjour depuis la République tchèque Simon. C'est formidable, de plus en plus international. Alors Eni nous dit c'est très important de voir au moins le Bitcoin parce qu'hier c'était une fake news qui a influencé le marché. Non mais d'accord mais je sais bien Eni mais nous ne sommes pas dans une revue de marché euh, crypto-monnaie. Salut Luc, bonjour Henri. Tout le monde est toujours là, on m'entend toujours, l'écran il n'y a pas de problème technique, je peux continuer. Tout est OK. C'est là où le sang, les gens qui étaient en train de partir se faire un café, un sandwich arrivent en courant vite, vite. On va dire à Patrick qu'on était en train de l'écouter. Non, je rigole, bien sûr, je blague. Alors, euh, donc, on passe sur les proscreeners. Donc, vous euh, voyez, euh, là, je cherche, je cherche vraiment dans cette revue de marché euh, à tenir compte des circonstances qui, selon moi, sont exceptionnelles. Et plus si simple, ça a été tellement facile de faire des, des bénéfices depuis la crise du Covid jusqu'au jusqu mois de juillet, on va dire juin-juillet. Là, nous sommes dans une période un peu plus compliquée parce qu'il y a des craintes. Il y a des craintes sur la politique monétaire, c'est extrêmement tendu, c'est totalement suracheté. C'est difficile d'acheter des actions dans un marché dans, de, avec des indices qui sont globalement surachetés. Euh, la politique monétaire, l'inflation, etc. Donc, on est dans, vraiment dans une démarche un peu stock picking. Je pense que la meilleure des démarches, c'est d'attendre. Qui est une correction, mais cela dit, rien ne nous empêche de trouver par-ci par-là quelque chose qui puisse être utile. Donc euh, voilà. Albioma, safran et d'autres et d'autres et aussi et ce qui est super important aussi, c'est de se préparer, c'est de mettre, de créer des listes de surveillance. Vous voyez, moi c'est ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais j'ai action swing, action fréquente, euh, surveillance, sélection de TF. Euh, 2021, c'est des choses que je surveille aussi. Moi, je sais ce que veulent dire mes titres, mais c'est surtout des, lignes de, des, des zones de surveillance. Je ne serai pas désemparé le jour où il y aura une correction. Je saurai plus ou moins où m'orienter, ou en tout cas, c'est ce que je crois. Après, on, on verra. Donc, j'ai aussi fait tourner mes proscreeners. Donc, par exemple, j'ai fait tourner affichage. ProScreener. J'ai fait tourner mon ProScreener, soit Ishimoku Multi Twist, soit euh, Ishimoku Ishimoku, c'est lequel, 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 lequel Ishimoku Twist et chandelier de retournement avec stochastique en survente ou en surachat. Je l'aime beaucoup, celui-là. Et en faisant tourner ce ProScreener, je ne veux pas vous faire là maintenant, c'est comme ça que j'ai vu Ubisoft. Je me suis dit, tiens je voulais trouver qu'est-ce qu'il y aurait bien quelque part qui puisse être en bas d'un range. Ubisoft. Alors, je ne suis pas allé regarder les fondamentaux, je ne vais pas le faire pour vous, chacun doit le faire. Alors, c'est rigolo parce que ça, ce sont des tracés que j'ai fait il y a maintenant très longtemps, je ne les ai pas fait aujourd'hui. Et donc, mon proscreener, qui est capable de détecter des configurations de prix en bas ou en haut de range, m'a sorti ce graphique que j'avais oublié. Et là, nous sommes typiquement... Alors, encore une fois, cela n'engage que moi, je ne donne pas de conseils en investissement ni de signaux, et attention aux circonstances exceptionnelles actuelles. Nous sommes typiquement sur une zone d'achat impossible. Pour qui adhère à cette idée de twist et de range Les autres, bien évidemment, ne le feront pas. On ne va pas tenir compte de cette mèche basse qui est ici, parce que ça, c'est exceptionnel, j'en ai déjà parlé. Et donc, du coup, c'est pour ça que le point moyen qui est ici est remonté. Mais j'aurais plutôt tendance à faire quelque chose dans ce genre. Et là, ce qui me plaît, donc, ce que je vous disais, c'est que la particularité de ce proscreener, c'est qu'il détecte des situations, alors il détecte un peu des fois n'importe où, mais à nous de savoir faire le tri, où il y aurait un ou des twists, des chandeliers de retournement, c'est bien le cas ici avec ce doji et le tout avec des stochastiques en survente ou en surachat. Donc nous avons ici un point bas, un support indéniable comme on peut le voir ici au niveau de la clôture. Nous avons bien un doji avec un autre chandelier s'il était confirmé qui dessinerait une étoile du matin mais ça c'est dans 15 jours pour le moment c'est prématuré. Si on part du principe comme je vous l'ai montré tout à l'heure qu'en range le nuage est traversé et les prix sont traversés par la span. D'une borne à l'autre sans, sans se soucier de savoir par où il passe, nous pourrions tout à fait ici, je pourrais, comme ça je parle pour moi et pas pour euh, je ne donne pas la sensation de, de partager des, des conseils, nous pourrions, je pourrais envisager un achat sur cette zone. Si euh, je veux me protéger, je peux mettre un stop de protection par exemple sous, on ne va pas tenir compte de cette mèche excessive hein, qui correspond à un, je ne sais pas quoi, je pourrais mettre un stop de protection par exemple sous ces niveaux. Ici. Et si je vise 1 cette zone de 68,7, je vois à l'œil nu que j'ai bien un ratio minimal de 1 pour 2. Si je vise cette zone davantage et si je vise les derniers plus hauts ici à 83, j'ai un ratio énorme. Donc cela me permet de le faire parce que je n'ai pas la certitude que cela va fonctionner, même s'il y a un taux de réussite très élevé avec ce type de configuration. Il arrive parfois que ça ne marche pas et qu'on perde, puisque si on ne perdait jamais, il n'y aurait pas de marché. Hein, s'il avait pas de. Quoi qu'on fasse en analyse technique et quelles que soient les probabilités qu'on établit, comme il n'y a pas de certitude, et bien cela fait que parfois, même si le taux de réussite est important, ça ne marche pas. Puisque si je perds ce trade, je perds 1 par rapport à mon capital, puisque j'ai un ratio minimal de 2-1, je dis bien minimal de 2-1. Par contre, si je le gagne avec un ratio de 2, puis un ratio de 3, puis un ratio de 4, cela me permettra la, per la prochaine fois de perdre au moins 4 trades d'affilée sans perdre d'argent. J'espère que vous comprenez bien. Euh, cela parce que c'est une importance fondamentale. Donc, euh, tenons compte de tout ce que je viens de dire, je considère qu'il y a là pour moi la possibilité de faire un achat sur Ubisoft avec un ratio minimal de 2-1, par exemple ici. Voilà pour Ubisoft. Alors évidemment, si je fais ça et qu'il y a une correction majeure, je ne sais pas quoi, et que ça entraîne les titres de jeux vidéo avec, ben je perdrai mon trade. <coughs> Et puis s'il y a des problèmes de liquidité parce que la correction est majeure et que plus personne n'achète rien et que tout le monde vend désespérément, mon stop ne fonctionnera pas. Il faut aussi en tenir compte. Et je peux être exécuté plus bas. Ça, ça fait partie des risques dans les situations de surachat extrême. J'ai ensuite euh, exécuté mon proscreener. Il est formidable, ce proscreener. Pro Screener, repli, alors il existe aussi pour, euh, je ne sais pas si il existe pour TradingView, mais je sais qu'il existe pour demander à Guillaume, mais il existe aussi pour MT4. Repli qui jaune plus chandelier. Donc il faut qu'il y ait une tendance. S'il n'y a pas de tendance, c'est n'est pas, pas au milieu d'un range, en tendance. Donc en exécutant ce Pro screener, tiens, on va le faire. Parce que finalement, j'ai parlé tellement vite et j'ai tellement oublié de respirer que j'ai un petit peu de temps. Alors attendez, parce que je l'ai demandé sur quoi là Non, pas sur les crypto-monnaies. Euh, on va le faire sur, euh, je ne sais pas, moi, bon, États-Unis. Euh, les 200 cotations non, euh, non technologiques, je, je mets au pif. Hein. Voilà, donc on vire les devises et les crypto-monnaies et on met une période mensuelle. Et on l'exécute. On va voir ce qu'il nous trouve s'il nous trouve quelque chose. Alors, il nous trouve des choses que je ne connais pas, bien évidemment. Hein. Betcon Dickens. Donc, on va le mettre de côté. Paf Alors, il y a une marge, c'est fait exprès. Il y a une marge ici, vous voyez. Repl euh, marteau, puisque c'est en clôture. Marteau sur la joue. mais on ne peut pas véritablement parler de tendance. Alors, euh, je n'ai pas choisi les bons trucs, mais enfin, voilà comment ça fonctionne. Donc, en exécutant ce ProScreener, il m'a détecté, euh, donc Ubisoft avec les twists, il m'a détecté en France, dans notre gentil marché PEA Trigano, Euronext Paris. Paf! Alors, là, cette fois-ci, c'était, je lui ai demandé de l'exécuter en hebdomadaire. Alors, ça, c'est des choses que j'ai faites il y a longtemps. Et regardez comme c'est beau! Il m'a donc détecté Trigano. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut acheter Trigano, il faut regarder les fondamentaux, il faut regarder si, euh, quels sont les fondamentaux, quels sont les résultats de l'entreprise, quelles sont euh, enfin, toutes les statistiques macroéconomiques importantes de cette euh, entreprise. Et nous avons là un, un, un magnifique, un fantastique, je dirais même marteau, dans le sens de la tendance où nous avons bien un nuage parfaitement bien un, un, orienté à la hausse. Une Kijunsen avec au-dessus, sans surachat excessif, certaines Kansen qui se situe au-dessus, c'est normal. Un repli dans le sens de la tendance, sur la Kijun Sen avec un marteau magnifique. Donc nous avons ici, théoriquement, je dis bien théoriquement, un superbe signal d'achat euh, ou pour faire un renfort euh, en suivi de tendance. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je n'ai pas pris le temps d'aller regarder. Là, si je bascule en graphique mensuel et que je, je vois comme vous le voyez ici, l'écart entre la tenkansen et la kijunsen, franchement, je ne le fais pas. mais voilà, comment est-ce que vous pouvez faire vos choix aussi avec cet outil formidable? chez les américains, il m'a trouvé le transporteur ups. alors, en weekly, toujours, me semble-t-il, regardez encore une fois. alors, là, non. en weekly, en weekly, regardez encore une fois. nous avons bien ça, c'est superbe, hein? N'en déplaise à madame, une succession de twists avec des chandeliers qui passent d'un côté et de l'autre, parfois par le twist, parfois par, par le twist, puis pim, comme je disais tout à l'heure, ça casse, ça part en tendance. Repli sur la Kijun Sen avec succession de chandeliers. Il y a une marge. Le, le proscreener est, est calculé de façon à ce qu'il y ait une marge par rapport à la Kijun Sen. Ce serait dommage de se passer à quelques points près, c'est pour ça que ça ne touche pas la Kijun Sen. Repli sur la Kijun Sen en tendance sur UPS. Et si on bascule sur un graphique mensuel, l'écart entre la Tenkan Sen ici et la Kijun Sen, mais c'est un petit peu partout en ce moment. C'est-à-dire que quand on a eu neuf mois de poussée verticale, on ne peut pas s'attendre à autre chose. C'est pour ça que c'est quand même, si on regarde le passé, regardez, ça, ça n'arrive jamais. Là, on est dans des circonstances exceptionnelles. Donc faire des achats, c'est pour ça que je parlais de stop, keep picking, avec ce type de configuration ne m'apparaît pas comme étant très pertinent pour le moment. Il faut continuer à patienter. Néanmoins... Donc je me suis dit, bon, mais si je ne trouve pas mon bonheur sur l'hebdomadaire à cause de ce surachat et de, de ces poussées verticales qu'il y a partout, je vais essayer de demander à mon proscreener de me trouver quelque chose avec quoi je puisse me sentir plus à l'aise au niveau de mes biais et de ma crainte du surachat. Donc je lui ai demandé d'aller chercher sur les graphiques mensuels. Alors, au niveau euh, américain, il m'a trouvé à part groupe. Alors, j'ai pas eu le temps, hein, parce que j'ai passé quand même deux heures à préparer ma revue de marché à euh, Part Group Inc, hein, sur le New York Stock Exchange. J'ai quand même passé deux, deux heures à préparer ma revue de marché, donc j'ai pas eu le temps d'aller regarder les fondamentaux. Vu le, vu le, le titre, on aurait pu euh, imaginer que c'était un, <laughs> un loueur d'appartement. En réalité, c'est Bien et Services Industriels, Industrie généraliste, Plastique. Hein. Euh, nous avons là sur un graphique mensuel, donc pour le coup, vous voyez l'écart entre la Tenkan Sen et la Kijun Sen dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut faire très attention parce que ça peut être comblé à tout moment. Donc, comme il y a une marge, il détecte la marge aussi, il détecte des configurations même avec une marge un peu éloignée. On voit là une tendance merveilleusement bien orientée à la hausse. On voit avec cette tendance merveilleusement bien orientée à la hausse une Kijun Sen qui soutient parfaitement bien la tendance. Regardez ici. Cette étoile du matin est avalement ici. Depuis, nous n'avions plus jamais eu, depuis ce chandelier d'avril 2020, nous n'avions plus jamais eu de repli sur la Kijunsen, et on s'en approche, qui plus est, proche aussi d'une résistance des prix qui se trouve ici. Je regarde, oui, on est bien sur les plus historiques. Oui. Je me dis donc que je pourrais mettre en ligne de surveillance après être allé regarder les fondamentaux, après aller voir si je suis d'accord pour trader ce qui fait du plastique, etc. Il y a beaucoup de critères qui, sont, qui nous appartiennent à chacun. Mais en tout cas, là, nous avons une zone qui est totalement intéressante pour pouvoir mettre ce titre en portefeuille si les fondamentaux le permettent, dans une configuration haussière en tendance sur repli qui joue. Il m'a aussi trouvé euh, CHE. CHE. Alors, ce n'est pas The Cheesecake Company. J'adore ce truc de Cheesecake Company. CHE. Pourquoi il me le... C -H -E. CHE. Chez Group. Regardez. Tendance. Parfaitement bien haussière. Les prix soutenus depuis 2017 par la ce c'est pas rien. Hein. Paf, Kijunsen, bim, Kijunsen, re Kijunsen avec des marteaux et des doji sur la Kijunsen. Donc tout à fait intéressant d'aller regarder les fondamentaux, à étudier si ça peut nous intéresser de mettre praticien de santé, santé. Ce titre, attention. Hein pas que ce soit une biotech ou comme ça, que ça s'en a vu, hein, ce que ça donnait. Moi, hein. bon, je me méfie avec les. Mais on ne sait pas trop. Je ne sais pas ce qu'ils vendent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais je vais m'y intéresser. Je vais mettre ça sur ma liste de surveillance. Je vais d'abord aller voir les fondamentaux. Et si j'adhère aux fondamentaux, mettre dans ma liste de surveillance. Mac Cormic, ça c'est déjà beaucoup plus connu. Toujours en mensuel, tendance merveilleusement haussière, tendance merveilleusement soutenue par la Kijun Sen. Regardez, à chaque fois que les prix reviennent chercher la Kijun Sen, regardez ce qui se passe. Et que se passe-t-il actuellement On s'approche de nouveau de la Kijun Sen. Donc, à mettre sans hésitation et avec des stochastiques en survente. Donc, à mettre sans hésitation en liste de surveillance. Alors, il trouve beaucoup plus de choses aux États-Unis qu'en Europe. Ai, il m'en reste encore quelques-uns. Adus Home Care. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Action Nasdaq, santé encore. Bon, attention avec les titres de santé. Action haussière, Kijun qui soutient bien la tendance. Repli sur la Kijunsen. Étoile du matin sur la Kijun Sen. Allez voir les centres fondamentaux à surveiller. NTES. J'ai un Européen après éligible au, NAS, au PEA. NTES, tendance haussière, repli sur la Kijunsen. Service logiciel informatique, gestion de contenu numérique, ça peut être tout à fait intéressant. Après, il faut voir le, le PER, etc. etc. Hein On est bien d'accord, là je ne parle que de configuration technique. SNPS, ça aussi, c'est euh, SNPS. C'est de la... Ah non, alors là, par contre, c'est pas... Alors pourquoi j'ai noté SNPS Est-ce que ce serait en hebdomadaire Non. Erreur de ma part. J'ai du mal noter SPNS, pardon. sps. -s. Alors, si je fais du dyslexique. SPNS et non pas SNPS. Un mois. Regardez. Étoile du matin, avalement sur la Kijunsen. C'est pas beau, ça? Tendance parfaitement bien aussi. Et ça aussi, je crois que c'est de l'informatique. Service logiciel et informatique, conception de logiciel technologie. C'est superbe. Hein c'est superbe. Ça, je vous invite vraiment à utiliser ces outils parce que c'est vraiment dommage que de s'en passer, ça peut détecter des configurations formidables pour l'avenir, pour aujourd'hui, pour demain. Il ne faut pas être pressé. Et pour terminer, éligible au PEA. Philips, on connaît tous très bien. Donc un titre qui a cassé ses plus hauts historiques. Quand En 2020, là, à peu près. Tendance merveilleusement haussière. Tendance parfaitement bien retenue par la Kijunsen, observée par vous-même. Repli sur la Kijun-sen, Doji sur la Kijun-sen. C'est un superbe signal d'achat dans le sens de la tendance, ce qui ne veut pas dire qu'il faut acheter. Il faut aller étudier les fondamentaux et voir ce qu'il en est. Mais c'est quand même intéressant, parce que c'est aussi le type de configuration que l'on recherche pour faire du stock picking. Voilà, mesdames et messieurs. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir répondu à vos demandes d'analyse que vous avez fait par email. Si j'ai le temps, je répondrai à quelques-unes sur le forum. Je vous l'avais dit dans une newsletter bah, il y a quelques mois. Je ne le fais plus systématiquement parce que, vous voyez, si je passe, euh, euh, il est 11h39, on a commencé à 10h30, donc ça fait 1h10 que je suis dessus avec passion, je parle beaucoup et je prends même du mal à reprendre ma respiration tellement je suis passionné. Donc, à un moment donné, si je dois en plus répondre à toutes vos demandes d'analyse qui sont souvent très pertinentes et qui me permettent de détecter aussi des configurations que je n'aurais pas vues sans vous, après je deviens mentalement moins fluide, on va dire, pour pouvoir répondre avec euh, euh, plus de, de, avec pertinence à vos demandes. Donc, euh, parfois je le fais, parfois je le fais pas. Parfois je privilégie ce que j'ai recherché et trouvé par moi-même. Parfois je Fais une partie de ce que j'ai trouvé par moi-même, une partie de vos demandes d'analyse. Parfois je ferai aussi que vos demandes d'analyse. Je varie et j'espère que vous ne m'en voulez pas si exceptionnellement, de temps en temps, de, par le choix de la revue de marché que je veux faire, je ne réponds pas directement à vos demandes d'analyse. Néanmoins, n'hésitez pas à faire aussi vos demandes sur le forum. Vous allez dans la rubrique Action, vous posez votre demande d'analyse sur le forum avec il ne faut pas juste, tiens, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez du titre Philips? Vous faites votre analyse. Et en fonction, vous trouverez toujours des membres expérimentés, euh, dont Anthony, pour vous répondre. Anthony, c'est une guerre d'idées enflammée avec Madame Pellwal. Oui, ça dure depuis des années, euh, si vous voulez. Ce même pas que c'est une guerre d'idées. C'est que moi, je suis très agacé qu'on ne puisse pas profiter de quelque chose qui est tellement utile pour gagner de l'argent avec l'Ishimoku, si vous voulez. Donc… Euh, voilà, je l'assume pleinement. Didier nous dit qu'Air Liquide s'associe avec Total Energy pour développer la production d'hydrogène bas carbone en Normandie. Fantastique. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a été utile, que vous avez... Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à l'animer, en tout cas à vous faire partager mes recherches et, et, euh, et mes analyses avec cet outil passionnant qu'est l'Ishimoku, accompagné par... Euh, les chandeliers japonais, je, je ne sais pas comment on peut faire d'analyse sans les chandeliers japonais. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté. Je vous souhaite une très 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 belle journée, une excellente semaine. Faites attention avec les chiffres de l'inflation, attention à la fête en septembre. J'espère qu'on va avoir une correction à un moment donné bien belle comme il faut, qu'on puisse revoir les choses avec plus de sérénité. Je regarde vos, vos commentaires. PHIA, Philippe, je ne trouve pas, mais bien... Philips Pays-Bas, est-ce le même Oui, tout à fait, c'est Philips Pays-Bas, absolument. Très, très belle journée à tous. Bye-bye, merci. N'oubliez pas de retweeter au maximum quand je vais publier cette analyse sur YouTube et puis sur YouTube de déposer vos commentaires et vos pouces bleus, ce qui aide à référencer mon travail sur le moteur de recherche de YouTube. Je vous en remercie vivement. Bye-bye, merci de votre écoute et de votre attention. Très belle semaine à tous.